Salut à tous! Comme vous le savez sûrement, en 1989, Michael avait signé un contrat de pub avec la marque Elagir, donc célèbre marque de chaussures de sport. Et donc du coup, ce contrat de pub a donné naissance à une série de photos totalement incroyables, à des spots publicitaires et aussi donc à toute une ligne de baskets à l'effigie de Michael qui sont devenues assez rares à trouver aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais vous parler des tarifs. En fait, vous verrez donc sur eBay, vous les verrez tourner, il y en a beaucoup qui les vendent à 200, 300 euros, 350 euros la paire. C'est beaucoup trop cher. Moi, je vous dirais, attendez, tous les ans, j'en vois partir à 60, 70, 80 euros des paires encore dans les boîtes d'origine en état nickel. Donc, soyez patients et vous allez voir, ça va payer. Et pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter tout d'abord le Black and White numéro 2 de l'époque. Regardez un peu cette fabuleuse couverture, franchement j'adore, c'est une des photos les plus belles de cette série de photos pour la marque Elagir. Ensuite j'ai trouvé aussi un petit flyer promotionnel aussi, pareil Elagir Unstoppable, regardez un peu cette photo, c'est vraiment fabuleux, personnellement j'adore, une de mes séries de photos préférées pour Michael. Puis pour faire une finir au niveau des photos, j'ai trouvé aussi cette photo assez sympa. Regardez un peu la petite fille, vous l'avez sûrement reconnue, il s'agit de Jennifer Lovett. Donc c'est vraiment super sympa à collectionner. Et puis en plus, ce genre de photos vous allez trouver pour une dizaine d'euros sur eBay. Donc faites-vous plaisir si vous les trouvez, c'est quand même assez sympa. Pour finir avec les petites choses assez sympathiques, nous avons également les chaussettes Michael Jackson et la Gear. Donc personnellement, moi j'en ai trouvé qu'une seule paire, qu'un seul modèle. Il existe plusieurs modèles, il existe dans toutes les couleurs, enfin dans plusieurs couleurs, blanche et dorée, blanche et argentée, après il y a noir et argenté, enfin il doit y avoir 3-4 modèles différents. Donc par contre ces chaussettes sont venues assez rares à trouver, franchement je ne vais même pas vous donner une estimation de prix, parce que je ne sais même pas combien ça peut coûter, mais moi à votre place, c'est vrai qu'au-delà de 50 euros la paire de chaussettes, laissez passer votre tour, c'est un peu trop cher. Et maintenant je vais vous présenter les diverses baskets que j'ai trouvées, je commence par le modèle Moonwalker. Donc noir et blanc, superbe chaussure, donc toutes les chaussures que vous allez trouver, si vous les trouvez avec l'étiquette d'origine, ce ne sera que mieux. Donc toutes les chaussures ont aussi le logo Michael Jackson sur la languette, c'est vraiment très beau. Et ce modèle là a en plus une petite plaque métallique avec le MJ et les logos des pieds, c'est vraiment très beau ici là vous voyez. Donc tous les modèles que vous avez trouvés, si vous trouvez avec les boîtes d'origine, ça sera encore mieux. Donc regardez la boîte, même la boîte est vraiment très belle. Un gros MJ, voilà, MJ Unstoppable, c'est vraiment génial. Et donc vous avez l'étiquette sur la boîte avec le nom du modèle. Donc c'est quand même assez intéressant puisqu'il y a beaucoup de modèles différents. D'ailleurs, je pense que j'aurai jamais tous les modèles vu qu'il doit exister au moins une trentaine de paires différentes. Mais c'est un bon début. Ensuite, nous avons le même modèle, version bleu, blanche et noire. Regardez un peu, très belle également. En plus, cette paire de chaussures est neuve, donc c'est vraiment fabuleux. J'ai également la boîte. On continue avec le modèle, donc toujours Moonwalker, noir et un petit peu de blanc dessus. Donc vraiment très stylé également. Toujours avec la petite plaque avec le MJ. C'est vraiment super beau à collectionner. Je sais pas, je suis en train de m'enterrer, je sais pas comment je vais faire pour tout monter. Ensuite, regardez un peu, j'étais assez content de moi. J'ai trouvé également une Moonwalker version enfant. Donc c'est vraiment assez sympa. Donc les modèles enfants, l'intérêt, ce qu'il y a de bien, c'est que les prix sont beaucoup plus bas que les modèles adultes. Donc ça, c'est le genre de chaussures que vous allez pouvoir trouver pour une cinquantaine d'euros. Donc franchement voilà quoi, c'est quand même très très sympa. Si vous la voyez à ce prix là, foncez quoi. Vous voyez, vous avez même la petite boîte qui va avec, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ensuite on va changer un peu de modèle. Nous avons le modèle Bad, et oui le modèle Bad qui n'a rien à voir avec Bad, qui est tout blanc, c'est un peu étonnant. Donc c'est vraiment très stylé années 80, mais bon les chaussures montantes reviennent à la mode. Donc on pourrait les porter aujourd'hui, ce serait vraiment sympa. Toujours avec la fameuse languette, le MJ, le petit MJ sur le côté. Donc c'est vraiment, comme d'habitude, super sympa quoi. Et toujours la boîte. Ensuite, nous avons le modèle MJ Runner. Donc là, ce modèle, je l'ai retrouvé d'occasion, à un bon prix. Mais bon, il est encore en très bon état. Tout rouge, c'est assez sympa aussi.
Bon, moi je suis pas très fan de ce modèle, personnellement je l'aurais pas porté, mais pourquoi pas, ça le fait. Toujours avec la boîte. Et pour finir, nous avons deux modèles, je n'ai pas trouvé les boîtes. Le vrai modèle, on va dire, qui ressemble vraiment à Michael. Donc je ne sais pas quel est le nom de ce modèle, vous me direz peut-être dans les commentaires. Donc là c'est vraiment génial puisque nous retrouvons vraiment le style Michael Jackson de l'époque avec les sangles sur le côté. C'est vraiment super beau. Et pour finir, j'étais assez content de moi, j'ai trouvé également la version en noir de ces fameuses chaussures avec les sangles. Et donc ces chaussures sont à ma taille, donc de temps en temps, quand j'ai envie de me faire plaisir, le soir, tard, je mets mes daguires, je me fais un petit moonwalk, c'est sympa, je fais des vrilles et tout, des pointes. Donc ouais, c'est sûr que pour se la raconter, c'est vraiment génial. Franchement, j'aurais eu ça quand j'étais à l'école, franchement j'aurais été le plus heureux du monde. Et donc dans la série aussi La Gear, juste pour info on va dire, il existe aussi toute une série de vêtements, il y a des t-shirts, des sweats, il y a également des badges, puis il doit y avoir aussi d'autres produits dérivés que je ne connais sûrement pas. Et tous ces produits je ne les ai pas encore et je pense que je ne vais pas les acheter puisque tous ces produits vous les voyez sur eBay, c'est vraiment hors de prix. Donc peut-être dans 10 ans, 15 ans, quand tout le monde cherchera autre chose, peut-être que j'achèterai, mais pour l'instant c'est pas prévu du tout. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma page et je vous dis à bientôt. Salut !